Bonjour pour vous. Moi, c'est le lendemain, j'ai des mèches rebelles en veux-tu en voilà. Mais normalement, le mardi matin, j'avais décidé d'aller à la salle de sport. Donc, je n'ai pas lavé mes cheveux parce que je ne voyais pas l'intérêt. Tout va bien. Sauf que là, je ne suis pas sûre de l'efficacité de ma séance si j'y vais. Mais il faut que je me donne du courage pour aller. Là, j'ai fini ma compta pour mon bilan annuel de l'an dernier. C'était sympa. J'ai détesté ça. Ça m'a pris 3 jours. En plus, hier, j'étais malade, donc c'était fun pour finir. Tu vois, sur mon ordi. Et donc là, il faut que je termine. Il faut que j'achète du papier cadeau pour les cadeaux de Lily Rose. Il faut que je les récupère un de ces cadeaux qui est en point relais. Et c'est aujourd'hui son anniversaire, donc il ne faut pas que je me loupe. Bon, bien rentré. Je vais empaqueter tous les cadeaux d'anniversaire de Lily de notre part. Le dernier, il adore. On lui a pris, elle adore Ariel, donc on lui a pris des personnages Ariel. Elle voulait absolument la peluche pochon, donc c'est la vraie peluche pochon de Disney. J'ai galéré à la trouver. On lui a pris un nouveau personnage de chez Toonies. Je pense que je vais lui en commander deux autres pour ce week-end, pour qu'elle ait quand même des cadeaux de notre part ce week-end. Ensuite, donc ça, c'est moi qui ai choisi. Anto lui a pris un peu plus, celui qui a choisi, on va dire. Un kit Playmobil parce qu'elle adore les Playmobil, donc là c'est la maman et les bébés, etc. Donc elle qui adore se faire des histoires. En plus, il y a la boîte avec, donc comme ça elle pourra ranger les autres. Un petit kit de princesse, elle adore les bijoux, donc du coup voilà, c'est le petit bracelet en perles, donc ce sera pour la maison. Et il y avait ces petits trucs là de petits personnages Playmobil, donc voilà, du coup à voir ce qu'il y a dedans, j'avoue, je sais pas trop. Donc pour aller avec la boîte, donc voilà, et le dernier, c'est le petit Playmobil là-dedans. Que j'ai trouvé en état neuf sur Vinted, c'est-à-dire pas ouvert. Parce que j'arrivais pas à la trouver en neuf, elle était plus dispo. Ou alors à 50 euros au lieu d'une vingtaine, enfin max une trentaine d'euros. Et en fait, on peut trouver sur Vinted du neuf, genre encore dans la boîte. Donc j'espère que c'est bien le cas. Par contre, j'avoue que c'est tellement surimpacté que je sais même pas comment je vais arriver à ouvrir le truc sans abîmer. Pour le moment, ça va. Parce que du coup, je pense que j'ai trouvé le bon sens. On sait bien hein, quand c'est bien emballé, mais alors des fois. Hop là, voilà. Donc c'était celui-là que je cherchais. Il est introuvable en magasin. Donc nickel, on voit bien qu'elle est neuve, qu'elle n'a pas du tout été ouverte. Donc parfait. Donc voilà, elle est à fond dans les sirènes. Youp, nickel. Donc voilà, pour ça, c'est ce qu'on va lui donner ce soir de notre part. Donc elle a quelques Playmobil, quelques personnages, etc. Donc cette année, c'est vrai que Lily Rose est sur des choses beaucoup moins encombrantes. Bon, Playmobil, c'est un petit budget quand même. Hein. T'as parti des jeux qui coûtent quelque chose, enfin un petit peu plus. La peluche Disney aussi, je crois que je l'ai payé une trentaine d'euros, ça vaut ça. Personnage Toonies, c'est 14,99€. Donc là, c'est la Miraculous qu'elle voulait. Ça faisait partie de celle qu'elle voulait. Ensuite, ça, j'ai dû payer 39€, une quarantaine d'euros. C'est tous les personnages Disney. De Ariel. Donc, elle voulait absolument le roi Triton. Et je ne le trouve pas en version Barbie comme elle aimerait. Du coup, j'ai trouvé cet ensemble qui, en fait, est en plastique. Alors, il y a juste Ariel sur son caillou qui est sur un socle. Sinon, j'avais bien regardé les autres dont, à proprement parler, pas vraiment de socle. Si, eux, là, les. Mince, comment ça s'appelle ces bestioles? C'est tout au fond, là. Elle est perdue. Donc, bref, elle va être contente parce que ça, c'est vraiment son Disney du moment. Puis, à un moment qu'elle m'en parle. Et les Playmobil, elle adore ça, elle s'y mime pas trop, elle en a pas beaucoup, donc du coup, voilà, c'était vraiment l'axe qu'on a donné aux gens autour de nous dans la famille. Playmobil, 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 Playmobil. Et en dernier, ça n'a rien à voir, c'est pour les gars, j'ai trouvé un Shurette état 9 normalement, enfin comme 9 sans étiquette. Voilà, parce qu'Eden n'est pas du tout jean, le loulou, et j'ai du mal à trouver des Shurettes qui me plaisent. Qui lui plaisent, l'idée c'est que ça lui plaise à lui, et en second plan, que ça me plaise un peu à moi. Donc j'ai trouvé de la marque Cric. Donc le haut, surtout que j'aime bien l'idée d'ensemble, donc en 10 ans, 140, ce qui grandit ensemble. Et avec le bas, celui-là avec, normalement c'est le cric aussi, oui, c'est ça. Voilà, et en fait ce que j'aime bien, c'est qu'en bas ce soit un petit peu resserré quand c'est ultra ample, c'est pas ça méga joli. Donc voilà, et c'est cette matière-là, un petit peu coton que j'aime bien, donc super, ça nickel, et donc il faudrait que j'arrive à lui en trouver au moins encore deux, parce que le loulou, le 9 ans commence à être un peu juste au niveau longueur. Voilà, je suis ravie. Donc, ça, c'est bon. La seule chose que j'ai oubliée, et je suis fatiguée de moi-même, c'est le gâteau d'anniversaire. J'avais pas du tout envie de le faire aujourd'hui. Je voulais le faire celui de dimanche. Je vais le faire aussi déjà mercredi ou pas. Je vais voir celui avec ses copains. Il faut que je réfléchisse si je le fais ou si je l'achète. Mais celui de dimanche, c'est sûr que je voulais le faire. Mais je voulais pas du tout faire celui d'aujourd'hui. Et du coup, ressortir, j'ai pas la foi du tout. Et voilà! Bon.
Bah écoutez, je suis plutôt contente. Il me reste. J'ai pris 3 rouleaux, bah ça me servira pour l'anniversaire d'Abigail de juin. Hein. Puis bon, bah on a d'autres anniversaires qui vont arriver dans l'année. Donc, pour celle qui aime les princesses, je pourrais mettre ça. Bon, je pense qu'Abby s'en fout concrètement des princesses, mais elle devrait quand même être contente parce que j'ai encore 2 rouleaux entiers là-bas. J'ai mal estimé mon truc. Bref, voilà. Il y a une part de moi qui me dit j'ai pas pris beaucoup en cadeau, mais en même temps j'essaie de me raisonner parce que chaque année je suis le genre de maman qui est capable d'acheter la moitié du magasin entre guillemets, c'est-à-dire un truc me plaît pour elle, je lui prends. Genre là j'avais vu plein de trucs, My Little Pony, il y avait d'autres trucs Playmobil, et puis je me suis dit alors oublie pas qu'il y a toute la famille qui ramène un truc, qu'on a une grande famille, donc elle va avoir encore une dizaine de cadeaux ce week-end. Donc j'essaie de me raisonner en me disant il y en a déjà plein les chambres. On a visé le juste, on a visé ce qu'elle nous avait vraiment demandé, donc on va y rester là-dessus. Voilà, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille parce que je sais que c'est moi qui a tellement envie de leur faire plaisir, de me dire je gagne bien ma vie, je peux leur faire plaisir, donc vas-y, prends des trucs. Mais en fait, enfin, matériellement, il y a un moment où ils ont vraiment largement ce qu'il faut. Donc voilà, le seul truc que j'ai pas trouvé, alors je pense que je vais essayer de trouver d'ici samedi, c'est que je voulais lui trouver un petit carnet où elle puisse écrire des choses. J'avais vu des carnets secrets électroniques. Mais ma belle-sœur, elle en a un pour sa fille et qui a un an de plus. Et en fait, elle ne joue pas trop encore avec cet aspect-là. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être un peu tôt. Je vais donc regarder plutôt pour un vrai carnet avec un joli stylo. Mais je n'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Il faut que j'aille dans une vraie papeterie, je pense, pour trouver ça. Bon, non, on n'a pas changé de jour. Je suis allée à la douche, je me suis lavé les cheveux. Donc oui, quand on est boss de pistachon, on fait les choses de façon très incohérente. Bref, je me suis occupée de ça. Là, je vais aller acheter du coup le gâteau d'anniversaire de Lily Rose. Je me donne la foi. Je vais aussi prendre toutes mes poubelles, cartons, plastique, verre. Je vais aller les jeter. Je vous reprends de toute façon ce que vous me voyez parce que c'est quand même plus sympa. En fait, je n'aimais pas le look tailleur avec mon manteau. Ça va très bien quand il fait assez beau pour ne porter que ça sans veste supplémentaire. Sinon, je trouve pas ça joli. En tout cas, je n'aime pas sur moi. Et comme je suis douchée, je m'en ai profité. Je me suis changer. Quoi d'autre? Donc j'ai 1 heure avant d'aller chercher les enfants devant moi, donc je vais me dépêcher. On va enchaîner, on va directement aller chez le coiffeur, enfin chez ma popo, pour couper les cheveux du dédé. Il a demandé à se couper les cheveux, loulou, donc voilà, c'est l'heure d'y aller. On enchaîne. Bon, on va récupérer. 1, 2, 3. On est dans le bouchon, à l'arrêt, il y a les travaux, donc il y a un feu rouge, donc on ne bouge pas. On va où? Oui, pour couper les cheveux. Allez, ça a repris, j'avance. Bon, clairement, on est déjà à l'arrêt. Le feu dure 20 secondes, 30 secondes, je crois, grand max. Donc, du coup, il y a 2 voitures qui sont passées. Je me suis dit, c'est bon, on repart, je vous lâche. Pas du tout, c'est de nouveau à l'arrêt. On a rendez-vous dans un quart d'heure chez Pauline pour couper les cheveux d'Eden. Et j'ai en toi oublié de prendre une seconde clé de la maison. Donc, du coup, quand il va rentrer, il va être bloqué le loup. On attend. Oui, t'as entendu le bruit, c'était la moto. Ah, ça va être un autre tour. Bon, bien rentrée de chez le coiffeur. Alors, j'avais laissé mon téléphone pour un petit dessin animé, donc je vous ai pas filmé. Eden, il a coupé. Ça lui va super bien. Alors, j'ai demandé à Lyra ce qu'elle voulait manger pour son repas d'anniversaire du soir. Je me dis, j'espère que c'est un truc que j'ai dans le frigo, parce que j'ai pas pensé à lui demander la veille. Elle m'a dit, cet enfant, haricots verts et poulet. Cet enfant veut des haricots verts pour son repas d'anniversaire. C'est quelque chose. Oui. Tu vas pas manger ta compote, est-ce que tu la veux? Qu'est-ce qu'on dit? De rien, mon cœur. Donc, je vais m'atteler à ses haricots verts et poulet. Je crois que j'ai du poulet aussi. Donc, elle a vraiment de la chance. Et moi, par la même occasion aussi. C'est quoi? C'est les princesses. Tu es contente? C'est les princesses. Alors, va t'asseoir, je vais mettre la bougie. Du coup, on va allumer ta bougie, mon cœur. Oui. C'est Lily Rose, là. C'est pas Abigail, là. Aujourd'hui, c'est Lily Rose. Joyeux anniversaire Lily Rose. Joyeux anniversaire Lily Rose. Joyeux anniversaire Lily Rose. Joyeux anniversaire. Bravo! C'est bien. Oui. C'est les princesses. Oui, tu passes les assiettes à papa. Oui, ça c'est la bougie. Attends, mon cœur, je vais la reprendre parce qu'il y a le pic. Je voudrais pas que tu te fasses mal. Hop, papa qui coupe le gâteau. Oh, il a coupé la robe de Cendrillon. Alors, je les ai pris à Leclerc et ils sont plutôt bien. Ah, je vais les étiqueter.
Oh, c'est gentil, merci Lily Rose. Oui, oui, et toi, tu t'en prends un petit bout? Je vais essayer, ouais. Merci. Ça. Moi, j'ai qui? Moi, j'ai un bout de Belle, moi. Le plateau qui est tombé. Allez, bon appétit. On commence par le tout petit. Non, 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 c'est Ami. Ami, c'est Ami Rose. Qu'est-ce que c'est? C'est la cricrite. C'est quoi ta? Je vois ça. Non. Assieds-toi. Dis si je te dérange une fois. Mm-hmm.